Oh, hello! Voici à quoi ressemble un enfant qui n'a jamais consommé de sucre. Grace Cooper a 2 ans et demi et elle n'a jamais mangé un gramme de sucre dans sa vie. Shan, la mère de Grace, a déclaré publiquement que lorsque sa fille serait en âge de comprendre ce qu'elle aime ou qu'elle n'aime pas, elle ne l'obligera pas à suivre un régime strict. Elle veut juste créer une base solide pour la santé future de son bébé. Et c'est une super maman. Son régime éliminait entièrement les céréales et les produits laitiers, ainsi que le sucre et tout ce qui y est traité. Ce régime riche en nutriments est responsable du fort système immunitaire de Grace, insiste la maman. Elle a constaté que ce régime présente des avantages majeurs pour son enfant. Donc en gros, Grace ne va pas tomber malade comme les autres petits. C'est un peu logique, quoi. Madame Cooper, il s'agit d'avoir des références sur les types d'aliments qui vous donnent plus d'énergie et vous font sentir mieux, plus léger et en meilleure santé. C'est la raison pour laquelle je mange de cette façon. Ça, c'était Madame Cooper, pas moi. Cooper ne comprend pas comment quelqu'un pourrait critiquer le régime de sa fille. Elle donne à sa fille de la vraie nourriture au lieu de la nourriture transformée qui est principalement constituée de calories vides. Elle dit que les gens lui rapprochent d'avoir donné à son enfant une assiette de légumes. Mais personne ne critique un parent qui donne à son enfant des bonbons. Pour elle, cela n'a aucun sens. Oui, Lady Cooper, je confirme. Mais elle n'a aucune intention de juger un parent. Sa philosophie est de montrer une meilleure façon. Cela ne doit pas nécessairement être un changement radical. Réduisez simplement les sucres transformés et rajoutez des aliments plus naturels dans le régime alimentaire de vos enfants.